Donc, comme l'a dit Yves Meyerfeld, je dirige un laboratoire au CEA qui est un peu particulier, dans lequel il y a des physiciens et plutôt des théoriciens d'ailleurs, et des philosophes. Et en gros, la question qu'on essaie de traiter, c'est une question assez inutile en fait, mais qui est d'essayer d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. C'est-à-dire, on prend les différents formalismes de la physique, classique, quantique, relativiste, théorie des champs, même les théories qui sont à l'ébauche, comme la théorie des cordes. Et on essaie d'imaginer si on pouvait leur poser des questions sur des thèmes comme le temps, l'espace, etc., l'énergie, qu'est-ce que ces équations diraient si elles pouvaient parler? Comme elles ne parlent pas, évidemment, il y a une part d'arbitraire et de subjectivité dans la façon de procéder. Mais le sujet que je vais traiter aujourd'hui est un sujet un peu différent, qui est la question de savoir pourquoi, quand on est physicien ou ingénieur ou technicien, ou quand on fait de la simulation ou de la modélisation, et je crois que beaucoup d'entre vous sont dans ces différentes activités, pourquoi est-ce qu'on écrit des équations finalement? Pourquoi est-ce que le langage naturel de la physique, ce sont les mathématiques, ou du moins une partie des mathématiques? Et d'ailleurs, ce serait une question de savoir quelle partie des mathématiques on utilise en physique. Est-ce qu'il y a des parties qu'on n'utilise pas? Est-ce qu'on les utilisera jamais? Ou est-ce que c'est simplement qu'on n'a pas eu l'occasion de les utiliser? C'est une question que peut-être on pourra discuter à la fin. Alors, je vais m'asseoir parce que j'ai des citations et j'ai préféré ne pas présenter de transparent parce que je trouve que les chercheurs que nous sommes tous, nous voyons beaucoup trop de transparents. Enfin, on en a plein la tête. Les étudiants voient des centaines de transparents par jour. Et on a pu mesurer que la transmission, quand il y a des transparents, est beaucoup plus faible que quand il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'elle soit élevée quand il n'y en a pas, mais au moins... Alors, le début de l'histoire que je veux raconter, il se situe dans un ouvrage de Galilée qui s'appelle « L'essayeur », où Galilée fait une sorte de pari métaphysique assez arbitraire, parce qu'il n'a pas donné corps à cette idée lui-même, c'est Newton qui va la prendre à son compte. Je le cite... Il y a une première partie du texte que tout le monde connaît. Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. C'est le postulat de Galilée. La philosophie, dit-il, est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique. Et ses caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques sans lesquels il est humainement, le mot est important, il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquels on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Fin de citation. Vous voyez que quand Galilée pense aux mathématiques, il pense à la géométrie, il pense aux cercles, aux figures, et c'est plutôt la voie de l'algèbre, enfin des équations, qui va être la plus féconde, mais il a ça en tête, et évidemment, comme vous le savez, n'importe quel chapitre de la physique peut servir d'illustration à ce propos, avec quand même une ambiguïté sur laquelle beaucoup de philosophes ont travaillé, c'est l'adverbe « humainement » que j'ai signalé tout à l'heure, sans lesquels, il parle des caractères mathématiques, sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et vous avez des ouvrages entiers sur le sens de « humainement ». Qu'est-ce que ça veut dire « humainement » ? Parce qu'en fait, il y a deux façons de comprendre cette idée, qui ne sont pas du tout équivalentes du point de vue épistémologique et qui ne sont pas non plus du tout équivalentes du point de vue du sens qu'on doit donner à ce qu'est une mesure ou une expérience. Première interprétation, ce langage mathématique, disons, est pensé comme étant celui de la nature même. C'est la nature qui possède ce langage et le physicien qui étudie la nature, c'est son rôle, devra évidemment apprendre à pratiquer ce langage pour comprendre celle qui parle ce langage, à savoir la nature. Donc les mathématiques sont le langage de la nature et nous devons l'apprendre pour communiquer avec elle. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, c'est l'opposé. Ce langage est pensé comme un langage de l'homme. C'est l'homme qui fait des mathématiques. Et c'est donc nécessairement dans ce langage-là que devront être préalablement traduits les faits naturels pour nous devenir intelligibles. Autrement dit, dans le deuxième cas, on voit qu'il va y avoir un forçage. Le langage mathématique est un langage humain et on va forcer la nature à parler ce langage qui est le nôtre et pas le sien. Autrement dit, on va l'obliger à cracher des nombres alors qu'elle ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un nombre. Bon. Alors, il y a eu toutes sortes d'interprétations, je l'ai dit, mais
Je ne sais plus quel est l'écrivain allemand, l'écrivain français qui disait la philosophie, c'est comme la Pologne, c'est plat, c'est plein de marécages, et c'est très souvent envahi par les Allemands. Hein. Et en fait, il se trouve que ce sont les Allemands qui ont le plus travaillé humainement, et notamment Kant et Husserl. Alors, si vous lisez la préface de la critique de la raison pure de Kant, il répond explicitement à cette question d'une façon qui est, vous allez voir, partisane de la deuxième option que j'ai signalée. Je lis quelques lignes de Kant. « Quand Galilée fit rouler ses boules jusqu'au bas d'un plan incliné, il se produisit une illumination pour tous les physiciens. Ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même selon son projet, qu'elle devrait prendre les devants avec les principes qui régissent ses jugements et forcer la nature à répondre à ces questions et non pas se laisser conduire en laisse par elle. » C'est une phrase incroyable. C'est-à-dire, c'est pas à la nature de venir nous casser les pieds, c'est nous qui avons la raison et nous allons obliger la raison, plutôt la nature, à parler le langage de la raison. Et il continue, par exemple, la raison doit se faire respecter, elle doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes et de l'autre main l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes, certes pour recevoir les enseignements de cette nature, quand même, mais pas à la façon d'un écolier qui se laisse dire tout ce que veut le maître. La raison doit plutôt se comporter comme un juge qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet. D'accord ? Donc une expérience, pour Kant, c'est une torture. C'est-à-dire, c'est un moyen que la raison utilise pour faire parler la nature dans un langage qui est celui de la raison et qui n'est pas celui de la nature. La raison mathématique devient un tribunal qui convoque la nature pour qu'elle réponde aux questions qu'elle lui pose. Alors, le deuxième allemand que je voulais citer, c'était Husserl. Husserl, vous savez, il écrit un livre quand le nazisme prend le pouvoir, dans une sorte d'état de panique. Il fait des conférences à Vienne, à Prague. Et il comprend que l'idée européenne est en crise, et plutôt que d'attaquer les nazis en tant que tels, il attaque le problème à la racine dans un livre qui s'appelle « La crise de l'humanité européenne ». Et en fait, Husserl, qui évidemment respecte tout à fait les connaissances que les physiciens ont apprises depuis Galilée, pense que Galilée est responsable de quelque chose. Et de quoi ? Eh bien, il dit que depuis Galilée, l'humanité européenne, connaît une crise car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence. Elle abandonne progressivement la pensée interrogative. À qui la faute, demande-t-il ? À Galilée, répond-il, car la révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion ou le préjugé. La révolution galiléenne accomplit surtout la substitution par laquelle le monde mathématique, c'est-à-dire le monde des idéalités, est pris pour le seul monde réel. Autrement dit, là je le cite, le geste de Galilée est à la fois découvrant et recouvrant. Il est découvrant parce qu'il fraye la voie à l'infinité des découvertes en physique, mais il est également recouvrant car il recouvre le monde tel que nous l'éprouvons d'une mathématisation qui l'éloigne de nous et nous le rend étranger. Et donc les mathématiques en physique nous rapprochent du monde puisqu'elles nous permettent de le dévoiler et en même temps, ce monde étant mathématisé, nous devient étranger. Alors, il y a un philosophe que sûrement vous connaissez qui s'appelle Alexandre Coiré, K-O-Y-R-E, qui a écrit un livre qui s'appelle « Études galiléennes » dans lequel il disait ça, mais à sa façon, il disait le pari de la physique moderne depuis Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique, c'est-à-dire le réel qu'on observe, dans lequel nous avons la sensation de vivre, que nous pouvons connaître par nos sens, eh bien, on prétend expliquer ce réel empirique par l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que depuis Galilée, toutes les lois physiques peuvent s'énoncer selon des formes, des phrases absurdes, c'est-à-dire des phrases qui toutes disent exactement le contraire de ce qu'on observe. Vous observez que les boules de pétanque tombent plus vite que les balles de ping-pong, ça c'est l'observation. Galilée vous dit non, tous les objets tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que vous voyez. Vous voyez que tous les mouvements s'amortissent, si aucune force ne s'exerce sur un corps, il finit par s'immobiliser. Paf, on vous balance le principe d'inertie qui vous dit que si un objet n'est soumis à aucune force, ce mouvement continue indéfiniment, il ne s'amortit pas.
Et donc, pour comprendre l'amortissement des corps, il faut inventer l'idéal d'un mouvement inertiel qui n'existe pas, que personne n'a jamais vu. Que personne n'a jamais vu. Et vous savez que c'est parce qu'il a réfléchi sur ça, comment se fait-il qu'on ne puisse pas observer de mouvement inertiel, qu'Einstein a écrit sa théorie de la relativité générale. Hein, comment se fait-il que ce sur quoi s'appuie la mécanique, principe d'inertie, corresponde à une situation qui ne peut pas exister dans l'univers puisqu'il y a de la gravitation partout. Donc tous les objets subissent une force, et donc le mouvement inertiel tel qu'il est défini dans la mécanique est une idéalité. Et la physique a tendance comme ça, depuis Galilée, à remplacer ce qu'on voit par des lois dont l'énoncé, évidemment à l'école on s'habitue, mais on ne devrait pas s'habituer, c'est des énoncés absurdes. Tous les énoncés sont absurdes. Et je ne parle pas de physique quantique et de théorie de la relativité. Bon, j'ai deux montres, hein, ce n'est pas à cause de la relativité. C'est parce qu'on m'a dit qu'à Toulouse, il y avait du soleil. Et comme j'ai une montre solaire que je n'arrive pas à recharger à Paris, j'ai apporté à Toulouse. Quoique il faisait beau ce matin, mais ça ne suffit pas. Bon, et donc, voilà ce que dit Husserl, c'est que on a érigé la mathématisation du monde en règle absolue de la science. Et on a remplacé l'objectivité par ce qu'il appelle un objectivisme. Et du coup, notre raison, la raison, celle que Kant invoque, est une raison qui ne répond plus à la question « qu'est-ce que ?», mais seulement à la question « comment ?». On a remplacé les questions qui commencent par « pourquoi ?» par des questions qui commencent par « comment ?». Et du coup, la pensée méditante, comme disait Heidegger, et qui faisait la spécificité européenne, a été remplacée par une pensée ou une interrogation de type calculante. Et c'est parce qu'elle a renoncé à la pensée méditante que l'Europe a fini par accepter, en tout cas localement, le nazisme. Vous voyez que c'est quand même des questions qui vont très loin. Quand on est lycéen, on écrit des équations, on ne sait pas trop pourquoi, ni d'où ça vient. On n'est même pas surpris par l'espèce de miracle qu'on devrait normalement éprouver lorsqu'on voit qu'un calcul d'un circuit RLC, par exemple, donne un certain résultat pour une, je sais pas, une intensité ou une tension, et quand on fait une mesure, on trouve la même chose. Comment ça se fait qu'il y ait comme ça une bijection qui relie les résultats calculés et les résultats mesurés? Et on verra que c'est finalement ça la question, parce que finalement, je n'ai pas abordé le sujet encore. La question posée, c'est en gros, comment se fait-il que les mathématiques marchent en physique? Dans Aristote, il n'y a pas de mathématiques, il y a quand même une physique. Comment se fait-il qu'en physique moderne, il faille faire des mathématiques pour qu'on obtienne des résultats qui confirment, que confirment les expériences? Alors cette question, je vais en donner trois formulations, parce qu'au cours de l'histoire, elle a pris des formes différentes. Le premier qui vraiment s'intéresse à ça, avant même que Galilée théorise la chose, c'est Kepler. Kepler, il écrit ceci: « Que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les grandeurs ?» Et donc, en fait, il explique que le physicien va découper dans le réel ce qu'il pourra ensuite saisir par des lois mathématiques. Et donc, à ce titre, on pourrait dire que Kepler est une sorte de pionnier du concept de réductionnisme. La science ne vise jamais qu'à élaborer un modèle propre à éclairer l'intelligibilité du réel, et ce modèle n'est jamais qu'un modèle réduit. Et en fait, cette idée de Kepler, Feynman au XXe siècle, le prix Nobel de physique, va la reprendre à son compte en disant que nous faisons de la physique mathématique faute de pouvoir faire mieux. On pourrait penser que la physique mathématique, c'est le summum de la connaissance, mais ce que dit Feynman, non, c'est on ne peut pas faire mieux, on est mutilé, et la physique mathématique correspond à la chose la plus perfectionnée que nous puissions faire. Et donc, la physique est mathématique, dit-il, non pas parce que nous en savons beaucoup sur le monde physique, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. Seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles, dit Feynman, et la puissance de la physique, ça c'est une phrase extraordinaire, la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables. Autrement dit, la physique est devenue efficace avec Galilée,
parce qu'elle a limité ses ambitions. Galilée dit, le temps, je ne sais pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est. Et donc, discourir de la nature du temps, c'est perdre son temps. La seule chose qu'on puisse faire, c'est savoir par quel paramètre mathématique on peut le décrire afin de l'insérer dans les lois physiques. De la même façon, le réel empirique se donne à nous par toutes sortes d'accidents. Ce qu'il appelait les accidents, c'est ce qu'on appelle nous les propriétés, couleurs, odeurs, formes, etc., qui sont changeantes et qui sont du coup impossibles à saisir. Donc Galilée dit, le réel est impossible à saisir. Trop divers, trop changeant, trop instable. Il est impossible de le capturer dans des concepts. La seule chose qu'on puisse faire, c'est saisir l'essence des choses. L'essence, pas les propriétés, l'essence des choses. Et on peut le faire grâce à la mathématisation. Alors, ça, c'est en gros la première piste, si vous voulez. On fait des maths en physique parce qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. Deuxième piste, c'est celle que suit Einstein. Einstein est beaucoup revenu sur cette question, comme vous savez. Alors, la façon la plus précise de dénoncer la question qu'on peut trouver chez lui, c'est celle-ci. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendantes de toute expérience, on voit qu'il a choisi son camp là, hein, produit de la pensée humaine, indépendante de toute expérience, puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité? Comment se fait-il? Donc, en sujet de bague, ça donne ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Sujet de bac éternel, je crois que personne n'y a échappé, au moins en guise d'entraînement. Bon. Et il continue avec cette phrase assez incroyable, il dit « La raison humaine, un peu comme Kant, la raison humaine serait-elle capable, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels ?» Donc pour Einstein, il n'y a même pas besoin de faire d'expérience. Vous savez que les résultats de l'expérience de Michelson, négatifs, n'ont joué aucun rôle dans la genèse de la relativité restreinte, de même que les expériences d'Eot Voss sur les équivalences entre masse grave et masse inerte n'ont joué aucun rôle dans la relativité générale. Ils s'en foutaient de l'expérience. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce serait de, sachant qu'il pouvait penser ce que je viens de dire, quelle aurait été sa réaction en découvrant, en 1981, les résultats de l'expérience d'Aspect et des autres sur la non-séparabilité quantique? Puisque l'argument qu'Einstein avait opposé à la mécanique quantique, c'est que la raison est capable de deviner quelles sont les propriétés des objets physiques, et il en tira des conséquences avec lesquelles la mécanique quantique était en contradiction. Et quand on a fait des mesures, grâce à des lasers, on a vu que c'est la mécanique quantique qui avait raison, et non pas Einstein. Ça veut dire que les propriétés des objets ne sont pas celles que la raison humaine, au sens d'Einstein, pouvait leur attribuer. Et tout le monde, enfin presque tout le monde, je pense, considère que si Einstein avait eu connaissance des résultats sur la non-séparabilité, il serait tombé de sa chaise. À supposer qu'il fût assis à ce moment-là, mais il serait tombé de sa chaise. Ça veut dire que, voilà, là, il y a un cas où la raison, ou une certaine idée de la raison, disons une idée raisonnable de la raison, a été démentie par la nature, enfin la nature, disons le réel. Troisième formulation. Elle a été proposée par un mathématicien qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Gilles Châtelet, que j'ai connu il y a quelques années. Et il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà comment il posait la question. Il disait, comment se fait-il que la mathématique, qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine, c'est la reine des sciences, comment se fait-il qu'elle soit si utile à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Donc il invoque une hiérarchie des sciences. Il y a les maths en haut, d'ailleurs, il y a des gens qui disent que les maths ne sont pas une science. Et puis il y a les sciences qui discutent avec la nature, ce que ne font pas les mathématiques. Et donc, comment se fait-il que la science s'applique en deçà d'elle-même, dans la hiérarchie, à la physique, à la chimie, au reste, etc. D'accord ? Et donc, quel est le lien, c'est la question qu'il pose finalement, quel est le lien qu'il y a entre les différentes sortes de sciences, si les mathématiques sont au-dessus du lot? Comment se fait-il qu'elle daigne s'appliquer à la description de la nature? Et pourquoi s'applique-t-elle, dit-il, à la physique plutôt qu'à la biologie? Pourquoi est-ce que les maths ne s'appliquent pas à la biologie? En tout cas, il y a des tentatives, vous le savez, notamment pour le cerveau, mais ça ne marche pas aussi bien qu'en physique. Il n'y a pas de formalisme en physique qui soit l'équivalent des théories physiques. Pourquoi? Donc, pour résumer,
pour résumer tout ça, il y a une formulation qui unifie les trois points de vue, qui est celle-ci que je vous propose. Comment un ensemble de symboles abstraits, articulés par un jeu de règles précises, issus très souvent d'une activité purement intellectuelle, peut-il posséder de telles capacités d'adaptation au monde empirique ? Voilà la question. Alors, il se trouve, les hasards de la vie ont fait que j'en ai discuté vendredi avec un mathématicien que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Pierre Lechac, qui anime un séminaire physique et, pardon, mathématiques et philosophie à l'École normale. Et il vient de sortir un livre, enfin un livre, un pavé, hein, 800 pages, qui s'appelle « Mathématiques et finitude ». Alors, on se demande ce que ça aurait fait s'il avait écrit « Mathématiques et infinitude », mais bon... Je lui ai fait la remarque, d'ailleurs, ça ne lui a pas plu. Mais... Et lui dit, lui c'est un mathématicien pur, si vous voulez, et il pense que la question qu'on pose aujourd'hui n'a aucun sens et qu'elle doit être dépassée. Et que les mathématiques sont sans cesse instrumentalisées, récupérées, détournées par les ingénieurs, les physiciens, les simulateurs, les modélisateurs, etc., les météorologues, les climatologues, bon... Et que ce détour, ce détournement de ce que sont vraiment les mathématiques, nous trompe sur elles. Et qu'en gros, les seuls qui soient vraiment capables de penser les mathématiques sont ceux qui font des mathématiques qui n'ont absolument aucune application. Et donc, quand je lui ai dit que j'allais faire un séminaire sur ce sujet ce lundi à Toulouse, il m'a dit, à ta place, je ne prendrai pas l'avion. Bon, alors... Ah non, mais voilà, bon, à vous de juger. Hein. Et donc, vous voyez que cette question-là, elle a pris une force, à mon avis, hein, c'est en ça que je ne suis pas d'accord avec lui, elle a pris une force terrible au XXe siècle, et notamment dans les dernières années du XXe siècle. Parce que vous pourriez dire, ça a d'ailleurs été une école de pensée, que les mathématiques, c'est un langage qui permet de condenser les phénomènes. Vous avez toutes sortes de phénomènes qui sont en fait régis par la même équation, qui est une sorte d'économie d'écriture, par laquelle l'algèbre abrège, en fait, il abrège dans une formule condensée toutes sortes de phénomènes. Mais en gros, ce langage mathématique serait là pour décrire les régularités du réel. Ce qui est régulier, ce qui est... Bon. Et évidemment, cette conception-là, qui est aristotélicienne, disons, elle est démentie par les faits. Puisque au XXe siècle, dans mon domaine, qui est la physique des particules, les mathématiques en physique ont agi comme un véritable treuil ontologique. C'est-à-dire qu'à partir ou à l'aide d'arguments mathématiques, on a pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'astronomes dans la salle. Ils me diront, mais ouais, au XIXe siècle, on a prédit l'existence de la planète Neptune à partir des irrégularités de la planète, enfin, de la trajectoire de la planète Uranus. D'accord. Mais on connaissait déjà les planètes. Donc on a prédit une planète de plus, ce qui est très spectaculaire, évidemment. Mais c'est moins spectaculaire que de prédire l'existence d'une sorte d'objet qu'on n'a jamais vu. Or, au XXe siècle, on l'a quand même beaucoup fait. Le photon, les quarks, les bosons intermédiaires, l'antimatière, et plus récemment, le boson de Higgs. Le boson de Higgs, il est décrit en mécanique quantique par un champ scalaire. On n'a jamais vu de champ scalaire. On n'avait jamais vu de champ scalaire. Et donc, on a pu prédire par des arguments mathématiques l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique. Et c'est ça qu'il faut interroger. D'où vient cette capacité qu'ont les mathématiques à mordre sur le réel ? À mordre sur le réel. Et du coup, cette question-là, je pense que vous le savez, elle a été l'objet d'un article très argumenté. C'est le premier article vraiment sur le sujet qui pose la question brutalement. Il a été écrit par Eugène Wigner, prix Nobel de physique, en 1960. Et c'est un article dont le titre traduit en français donne ceci, « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature ». Alors, déraisonnable, c'est un faux ami, parce qu'en fait, le mot anglais, c'est « unreasonable », ça veut dire, ça veut pas dire déraisonnable. Déraisonnable, ça veut dire, c'est pas raisonnable d'appliquer les maths en physique. Or, ce qui veut dire, c'est qu'il n'existe pas de raison permettant d'expliquer cette efficacité, ce qui n'est pas le même sens. Et c'est un article passionnant. Vous savez que Wigner, c'est un de ceux qui ont plus réfléchi au concept de symétrie, notamment aux symétries abstraites, qui ont été très fécondes dans la théorie des champs et dans la façon d'écrire les interactions entre particules dans le modèle standard. Donc il a vraiment travaillé à ça. Et,
Et en fait, à la fin de son article, il dit « Cette efficacité des mathématiques en physique ne peut être qualifiée qu'en termes de miracle, miracle, ou de don magnifique que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. » Et donc, comme si l'explication de l'efficacité des maths était située au-delà de notre, au-delà des limites de notre compréhension du monde. Et donc, la question que je voudrais poser, pour finir, c'est est-ce que le mot miracle n'est pas un peu trop fort? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses quand même à comprendre dans cette efficacité? Alors, avant de conclure quand même, il faut que je dise deux, trois choses. Et par exemple, définir le mot efficace. On parle de l'efficacité des mathématiques en physique. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Qu'est-ce que ça veut dire efficace? En fait, on peut distinguer trois niveaux d'efficacité. Premier niveau, c'est basique. C'est une capacité de prédiction ou de rétrodiction à propos des phénomènes. Et donc, une théorie physique sera dite efficace si elle peut anticiper des résultats expérimentaux ou reproduire les données déjà obtenues. D'accord ? Donc, il faut que ça colle, en gros. Il faut que ça colle avec l'expérience ou avec les mesures. Bon. Donc, ça, c'est le niveau basique, parce que quand ce n'est pas le cas, évidemment, ça pose des problèmes. Deuxième niveau d'efficacité, il ne s'agit pas seulement de sauver les phénomènes, comme on le disait dans la première définition, mais ça veut dire qu'en plus de sauver les phénomènes, l'efficacité d'une théorie peut venir du fait qu'elle met en évidence des structures explicatives. Alors, c'est par exemple le cas dans les théories de jauge. Les théories de jauge pour la physique des particules, vous savez, c'est né dans les années 60, enfin un peu avant pour l'électromagnétisme. C'est l'idée qu'à chaque interaction fondamentale, on peut associer un groupe de symétrie mathématique. Et dès lors que ce groupe est choisi pour une interaction donnée, le Lagrangien de l'interaction est complètement déterminé par le formalisme des théories de jauge. Et donc, dans ce cadre-là, il suffit de dire le groupe de l'électromagnétisme est U de 1, les nombres complexes de module 1, pour que le Lagrangien dérive. Il suffit de dire que le groupe de symétrie des interactions faibles, c'est SU2, les matrices 2-2 spéciales unitaires, le Lagrangien est déterminé. Pareil pour l'interaction forte avec le groupe SU3. Et donc, vous avez évidemment un groupe différent pour chacune des forces, mais la façon de décrire chacune des forces relève du même modèle mathématique. Et c'est ça qui a constitué ce qu'on a appelé le modèle standard de la physique des particules, qui a eu beaucoup de succès expérimentaux. Dans les années 60, il y avait des accélérateurs qui commençaient à marcher en Europe, aux États-Unis, en URSS. Et la théorie rendait compte, enfin le modèle plutôt, rendait compte de tous les résultats expérimentaux. Donc les gens étaient contents parce qu'ils avaient une structure, enfin un formalisme qui était efficace selon le premier point, il sauve les phénomènes, et selon le second, c'est-à-dire il donne une structure explicative. Après, on s'est rendu compte que ça posait un problème, parce que si ce modèle standard était juste, alors les particules élémentaires qui médiatisent les forces devraient avoir une masse nulle. Et par contagion, c'était vrai aussi pour les particules qui subissent les forces. Et donc ce modèle standard qui marchait bien prédisait que toutes les masses de toutes les particules étaient nulles. Ce qui n'est pas le cas. Et quand vous avez une contradiction comme ça entre une théorie et des faits, le réflexe, c'est de dire que la théorie est fausse. Mais non, mais non. Il y a plein de cas où c'est la théorie qui a raison et notre interprétation des faits qui est fausse. Et en l'occurrence, alors que tous les physiciens théoriciens partaient ailleurs en pensant que les théories de jauge n'étaient pas le bon outil, c'est là qu'ils ont fait les théories technicolores, etc., pour essayer de comprendre les interactions autrement que dans les théories de jauge. Il y a trois gars qui ont dit « Non, les équations ont raison, les masses des particules sont nulles. Et pourquoi on pense qu'elles ne le sont pas? Pourquoi on mesure qu'elles ne le sont pas? Parce qu'on a mal compris ce qu'est la masse. » Et en fait, ces gens-là ont écrit le mécanisme de Higgs, laissant penser que le vide n'est pas vide et que les particules de masse non nulle interagissent avec le vide. Et c'est cette interaction qui crée leur masse apparente. Donc la masse n'est plus une propriété des particules, c'est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait qu'elles interagissent avec le vide qui n'est pas vide. Donc ils écrivent un papier en 64, d'une page et demie, en disant « les particules élémentaires ont une masse non nulle parce que le vide n'est pas vide ». Voilà. Et 48 ans plus tard, l'expérience leur a donné raison. Vous voyez que quand il y a une contradiction entre une théorie et des faits,
avant de liquider la théorie, il faut être méfiant. Je passe vite, mais il y a un troisième niveau d'efficacité qui est encore plus haut que les deux précédents, qui a été mis en avant par Alan Cohn, par exemple, et avant lui par Freeman Dyson, qui était un collaborateur de Feynman sur l'électrodynamique quantique. C'est ce qu'ils appellent la générativité. C'est une efficacité un peu plus aérienne. Alors je récite leur définition. Une théorie mathématique est efficace si elle permet d'engendrer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, des stratégies inédites et des solutions originales à des problèmes anciens. D'accord ? Et donc, pour le physicien, dit Cohn, les mathématiques ne sont pas seulement un outil permettant de calculer les phénomènes, elles sont aussi la source principale des principes et des concepts qui permettent d'élaborer de nouvelles théories physiques. D'accord ? Voilà, donc vous avez trois niveaux d'efficacité, hein. Sauver les phénomènes, expliquer les choses, et puis engendrer de nouveaux concepts pour faire de nouvelles théories. Et avant de conclure, et je vais dire avant de conclure plusieurs fois, ah oui, parce qu'il faut quand même poser les choses, mais je ne vais pas dépasser mon temps de parole, je vous promets. Roger Penrose a pas mal écrit sur cette question. Et il a distingué, il a proposé une taxinomie, enfin une classification des théories physiques en fonction de ces différents sens du mot efficacité. Alors, par exemple, il a proposé une première catégorie qu'il appelle en anglais superbe, donc les théories superbes, enfin, je pense qu'on peut traduire ça comme ça, ou magnifiques, qui sont efficaces selon les trois points de vue que j'ai explicités. C'est-à-dire, elles sauvent les phénomènes, elles sont explicatives, et elles ont permis de développer de nouveaux concepts. Alors parmi elles, il met la mécanique classique, même si elle est fausse, la relativité restreinte, l'électromagnétisme de Maxwell et l'électrodynamique quantique, qui est la théorie quantique de l'électromagnétisme. On pourrait ajouter aujourd'hui, mais à l'époque c'était moins sûr, on pourrait ajouter la chromodynamique quantique, qui bénéficie à peu près des mêmes cautions expérimentales que l'électrodynamique quantique, et on pourrait même ajouter le modèle standard de la cosmologie, depuis que le satellite Planck a montré qu'il avait quand même une bonne résistance. Ensuite, il y a des théories qu'il appelle les théories useful, utiles. Il y a des théories qui, en ayant une très bonne confirmation expérimentale, ne possèdent pas le niveau de prédictivité ni de cohérence interne des théories superbes. Parce qu'il y a trop de paramètres, parce que ce sont plutôt des modèles que des théories, par exemple. Eh bien, parmi elles, il met le modèle standard de la physique des particules. Mais je pense qu'avec le boson de Higgs, on pourrait peut-être faire remonter ce modèle du côté des... Je vois qu'il y a une personne qui acquiesce, donc ça, des superbes, enfin, je ne sais pas. Bien qu'on sache qu'à très haute énergie, le modèle standard explose. Mais en tout cas, jusqu'au TEV, sachant qu'on a découvert que le boson de Higgs était exactement comme il était calculé. D'ailleurs, c'est un drame. On aurait aimé qu'il soit un peu différent. Mais il y a dans le modèle standard une solidité, une efficacité qui est quand même impressionnante. Et enfin, troisième catégorie dont parle Penrose, c'est ce qu'il appelle les tentatives théories, c'est-à-dire les théories à l'ébauche, les essais, les pistes, les modèles qu'on essaie de mettre sur pied, qui renvoient à des théories élégantes et séduisantes, mais qui ne sont confirmées par aucune donnée expérimentale. Bon, évidemment, vous avez la théorie des supercordes, vous avez la théorie de la gravité quantique à boucle, des choses comme ça, qui sont pas mal, qui sont belles au sens où ceux qui les développent disent qu'elles sont très belles, mais on ne sait pas si elles sont justes. Donc, elles sont, c'est des tentatives qui, même si un jour elles étaient démenties par l'expérience, auront été utiles parce qu'elles ont permis le développement de nouveaux types de concepts. Et donc, ce n'est pas les théories qui sont les plus efficaces au sens de sauver les phénomènes qui sont forcément les plus utiles dans la progression de la physique. Je vous donne un exemple pour illustrer ce point. Vous savez qu'en 1918, juste après, plutôt 19, juste après que l'éclipse du Soleil démontre que la déviation des rayons lumineux se fait conformément à ce qu'Einstein a calculé, Hermann Weyl dit « c'est bon, on va prendre la relativité générale, et avec elle, avec ses principes, on va mettre dedans l'électromagnétisme ». Et donc, il avait l'idée de géométriser
l'électromagnétisme de la même façon qu'Einstein avait géométrisé la gravitation. Bon, évidemment, ça ne marche pas parce que la gravitation est toujours attractive. Et donc, on peut lui appliquer une sorte de principe d'équivalence, alors que pour l'électromagnétisme, qui est tantôt répulsif, tantôt attractif, ça ne marche plus. Mais quand même, pour ce faire, il a précisément développé les théories de jauge. Les théories de jauge qui vont servir pour unifier l'électromagnétisme et les interactions nucléaires. Donc ça n'a pas marché pour la gravitation, mais ça a marché pour le reste. C'est même lui qui a inventé le terme de jauge. Enfin, en allemand, c'est Gauge. La jauge étant ce truc, c'est une jauge, en fait, qu'utilisaient les gens des chemins de fer pour mesurer l'écartement des rails et vérifier qu'il était toujours le même. Donc, ils passaient la jauge. Si ça coinçait, c'est que les rails se rapprochaient. Et si la jauge tombait, c'est que les rails s'écartaient trop. Donc, la jauge, c'était une façon de maintenir, justement, la jauge par propagation dans l'espace. Et c'est cette idée qui a été extrêmement féconde dans le développement du modèle standard, bien que, historiquement, dans les recherches de Weyl, elles correspondent à un échec. Bon. Alors, tout ça pour dire que c'est une question assez compliquée, l'efficacité, et il faut avoir tous ces niveaux d'efficacité dans la tête pour juger de l'efficacité des mathématiques en physique. Alors, évidemment, il y a plein de réponses possibles. Hein. Le pythagorisme, le platonisme, l'aristotélicisme, ça, c'est les réponses des anciens. Je n'ai pas le temps de le faire, mais vous pouvez facilement vous convaincre que ça ne marche plus. C'est-à-dire, ni Aristote, ni Platon, ni Pythagore ne rendent compte de l'efficacité moderne de la physique. Ou alors posent des problèmes quand on les met trop en avant. Pour la petite histoire, vous savez que c'est les écoles de l'Antiquité, Pythagore, Platon et Aristote, qui ont structuré la hiérarchie des grandes écoles en France. Polytechnique, c'est Pythagore. X, d'ailleurs, X. C'est une école pythagoricienne, c'est-à-dire l'essence du monde, ce sont les nombres. Donc l'efficacité des mathématiques en physique n'a pas à s'expliquer puisque les nombres sont là. En physique, vous avez les écoles un peu derrière, qui sont les écoles platoniciennes, où les mathématiques sont juste un langage intermédiaire entre le monde des idées pures et le monde empirique. Donc centrale, les ponts, les mines, etc. Et puis vous avez les écoles aristotéliciennes, où les mathématiques sont simplement issues de l'expérience, et sont une façon condensée de faire des fits, de courbes. D'accord ? Donc, je ne vais pas nommer les écoles, mais... Et vous savez que cette classification qui est complètement obsolète est quand même toujours très vivace. Voir les difficultés qu'a l'école polytechnique sur le plateau de Saclay à collaborer avec les autres écoles. Je suis sur le plateau de Saclay, donc je connais un peu les trucs. Il y a l'idée d'une hiérarchie qui renvoie à ces écoles de l'Antiquité. Bon. Il y a la réponse du... Il y a le quantisme, il y a Bohr, Niels Bohr, le physicien, père fondateur de la mécanique quantique, qui a fait son petit truc. Il y a la conception formaliste de Frege, de Russell, etc. Maintenant, les gens qui font des neurosciences s'intéressent à cette question. Par exemple, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, qui a pris la suite de Jean-Pierre Changeux et qui a publié un énorme livre récemment sur la conscience, dans lequel il développe une hypothèse naturaliste. C'est-à-dire qu'il dit que les capacités de dénombrement et de représentation spatiale, donc capacité à faire de la topologie et capacité à dénombrer, sont inscrites profondément dans la structure du cerveau humain avant tout contact évolué avec le monde. C'est-à-dire que c'est les structures de l'esprit, pour dire les choses en termes un peu spiritualiste, qui serait déjà préparé, déjà là, en quelque sorte, avant tout contact avec le monde empirique, pour que le cerveau développé puisse faire des mathématiques. Alors, voilà pour la présentation du problème. Et maintenant, essayons de répondre à la question quand même. Et répondre à la question, c'est aussi se demander, est-ce que les physiciens utilisent toutes les mathématiques ? Toutes les mathématiques. Et la réponse est clairement non. Et le premier qui l'a vraiment remarqué, c'est Paul Dirac. Paul Dirac, celui qui a prédit l'existence de l'antimatière, qui était le beau-frère de Wigner, d'ailleurs. Marrant, il a épousé la sœur de Wigner. Il était un peu autiste, vous savez, il était très timide, il parlait peu. Et comme la sœur de Wigner avait été la sœur de Wigner avant d'être sa femme, quand il la présentait, il dit « c'est la sœur de Wigner ». Bon, c'est pas très...
Il respectait la chronologie des... Et donc, ce que remarque Dirac dans un article de 38, c'est que ce qui polarise l'attention du physicien théoricien, ce sont des relations qui sont caractérisées par une grande variété d'invariants relatifs à diverses transformations. Et donc, les mathématiques qu'utilisent les physiciens, ce sont des mathématiques qui sont riches en structures invariantes. Alors, ce qu'on appelle des structures invariantes, ça peut être des variétés, des nombres, des classes d'équivalence, la forme d'une équation, qui peut résister à un changement de référentiel, par exemple. Et donc, pour Dirac, un bon indice de la profondeur d'une théorie est sa richesse en invariants. Et le meilleur critère de l'application d'un formalisme mathématique en physique, c'est l'existence dans ce formalisme de groupes assez riches de transformations. Il donne trois exemples. La théorie des nœuds, qui permet d'exhiber un grand nombre d'objets mathématiques qui restent invariants lorsqu'on déforme continuellement un nœud donné. Les marins, les alpinistes connaissent bien ça. La théorie des groupes, évidemment. Et puis la théorie des fonctions à variables complexes, qui déploie elle aussi des structures très riches en invariants. Songez par exemple à la théorie du groupe conforme à deux dimensions, qui contient les transformations planes, qui laisse invariants les angles, mais pas les longueurs. Et ce groupe entretient, c'est ce qu'on a compris par la suite, des liens étonnants avec les systèmes intégrables, qui peuvent être justement intégrés en raison même de l'existence d'invariants caractéristiques qu'on appelle les intégrales premières. Etc. Il y a toute une liste comme ça de structures mathématiques qui proposent des invariants. Et la question, c'est est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une partie de la réponse? Alors là, il y a une anecdote qui est racontée par Paoli qui éclaire la réponse que je vous propose, qui est une hypothèse. C'est que, je l'ai dit, Dirac, il parlait très peu et du coup, les gens étaient complètement tétanisés à l'idée de devoir engager une conversation avec lui. Quand il a eu le prix Nobel, il y a eu un dîner offert par le ministre à Oxford, ou Cambridge. Et Dirac était assis à côté du ministre, et le ministre savait pas trop quoi dire, parce qu'il connaissait la réputation de Dirac. Dirac pensait que parler ne doit se faire que pour dire des choses vraies. Voilà, donc ça limite. C'est pas fait pour communiquer, comment ça va, c'est pas fait pour être fatigue, pour entrer en relation avec les autres, c'est fait pour dire la vérité. Donc soit on la connaît et on la dit, soit on se tait. Okay. Et donc, ce soir-là, lors du banquet, il y avait un vent très fort, et on voyait à l'extérieur les arbres qui se pliaient sous l'effet du vent, et le ministre, pour s'adresser à Dirac, saisit cette occasion pour dire à Dirac « It is very windy tonight bon. ». Et là, Dirac ne dit rien, il se lève. Il va sur le balcon, il ouvre la fenêtre, met un nez dehors, referme la fenêtre, vient se rasseoir à côté du ministre et lui dit « Yes, sir ». Mais l'autre anecdote, elle est racontée par Paoli. Bon, Paoli et Dirac avaient le même âge, ils se connaissaient bien. Et ils prenaient le train en Angleterre. Et même truc, Paoli ne savait pas trop comment parler à Dirac. Le train traverse une prairie dans laquelle il y a des moutons qui sont en train de paître. Et Paoli saisit cette occasion et dit à Dirac, « Vous avez vu, Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac regarde par la fenêtre attentivement, revient vers Paoli et lui dit, « Oui, au moins de ce côté-ci. » Oui, mais ça, c'est une remarque très profonde. Parce que ce qu'il veut dire là, c'est que notre cerveau, lorsqu'il reçoit des informations qui lui sont communiquées par la vision, utilise des logiciels d'invariance. C'est-à-dire que là, je vois une tasse de café partiellement. Et je dis, c'est une tasse de café. Okay ? Alors que si j'étais un peu honnête intellectuellement, il faudrait que j'en fasse le tour, que je la regarde sous tous les angles pour vérifier que, quel que soit l'angle sous lequel je la regarde, c'est une tasse de café. D'accord ? Ça veut dire que notre cerveau
utilise des trucs d'invariance comme ça, à partir d'un point de vue partiel, il en tire une inférence générale. OK ? Et l'idée de Dirac, c'est que la physique qui utilise les mathématiques qui sont riches en invariants fait la même chose. C'est-à-dire que les mathématiques en physique, par le choix des formalismes que font les physiciens, prolongent dans l'invisible, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand, les mécanismes opératoires de la vision. Et comme ce sont des structures qui sont riches en invariants, ces méthodes sont capables de saisir des éléments de réalité. Si vous décrivez un électron par une fonction d'onde, par exemple, dans l'espace de Hilbert, je ne sais pas comment, mais cette fonction d'onde n'est pas invariante par rotation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous tournez autour de l'électron, l'électron qui est un électron selon un certain point de vue ne l'est plus selon un autre. Donc ce n'est pas un électron. Autrement dit, pour qu'un élément de réalité soit un élément de réalité, il faut qu'il résiste à un changement de point de vue. Et donc peut-être que le terme de miracle qui est proposé par Wigner est un terme un peu trop fort. Hein, peut-être que c'est simplement des choses assez ordinaires qui sont prolongées au niveau de l'invisible par l'utilisation des mathématiques en physique. Alors, évidemment, cette hypothèse que je soumets à votre sagacité, elle n'est pas une réponse à la question posée complète, puisqu'elle-même, elle en pose une autre, qui est encore plus mystérieuse. C'est qu'est-ce qui est à l'origine de la capacité que possède le langage mathématique à produire des structures riches en invariants. Qu'est-ce que ce langage a de particulier qui lui permet de proposer, dans ses différents formalismes, des structures riches en invariants que les physiciens utilisent pour saisir des éléments de réalité. Voilà. Et donc, j'ai répondu à la question posée en 40 minutes comme demandé, et en terminant par l'évocation d'un mystère dont je n'ai pas répondu. Voilà. Merci pour votre attention.